Yup, salut tout le monde, c'est Mulder, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stoneblock. Alors, je suis toujours dans cette salle. Allez, on est bien dans cette salle, n'est-ce pas? La fleur de MC que vous voyez ici, on va la dégager. On va la foutre ailleurs, on va la foutre dans le Mining World, parce que là, il va falloir qu'on génère des EMC puissance 1000. Donc, il va falloir qu'on y aille vraiment en mode bourrin. Alors ici, j'avais gardé plein de choses, donc on va installer les énergies condenseurs et les neutrons compresseurs dans cette salle-là, je pense. Parce qu'elle est faite pour ça, finalement. Vu qu'il y en a 13, je pense qu'on va en installer peut-être 3 devant, et puis 5 sur les côtés, ici. Comme ça, on a les 13. Je sais pas encore comment on va l'installer. Là-haut, on se rappelle, hein, j'avais mis de côté tout ce qu'il nous fallait pour la Transmutation Tablet. Et du coup, bah ça, c'est pour les Singularity, hein. Mais pour les Singularity, il va nous falloir beaucoup d'EMC. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'EMC. Alors, on a beaucoup de Red Matter blocs. Je les récupère au fur et à mesure. Je suis resté AFK toute la nuit. Ce qui fait que Red Matter... les Red Matter blocs, on en a quand même pas mal. Hein, on va pas se mentir. Et du neutron... Ouais, du neutron, j'en ai aussi beaucoup. Donc, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. Et forcément, virer ça. Voilà. Donc là, on va générer plus aucun... EMC, oh, c'est dommage, il reste vraiment plus grand chose. Hein. Il reste combien d'ailleurs? Oh, il reste 13 000. Émeraude, on va essayer de remplir ce truc-là, histoire de récupérer le dernier. Émeraude, ça fait beaucoup ça. Il doit être là-haut. Je les ai squeezés les émeraudes? Où ils sont? Ils sont là. Juste une émeraude devrait faire l'affaire normalement. Voilà, nice. Donc on récupère ça. Il va nous falloir des énergies MK2. Genre, je crois qu'il doit m'en rester. MK2, yes, il m'en reste. Je vais les prendre. Et on va se rendre tout de suite dans le Mining World. Alors, pas tout de suite. Faut d'abord que je récupère ça. Parce que ça, je vais évidemment m'en servir à foison. C'est ce qui va nous permettre de générer du RF n'importe comment. Des EMC n'importe comment. Donc, on est parti Mining World. Clic. Pour générer autant de MC, on va se faire énormément de fleurs. Quand je dis énormément, c'est énormément. Et on va tout mettre sur un chunk. Si on regarde au niveau des chunk loads que j'ai, il m'en reste un à prendre. Et on va s'éloigner un petit peu de ces zones-là, pour éviter d'accélérer trop de choses et de générer beaucoup trop de lag. C'est-à-dire qu'on pourra accélérer ça pour avoir encore plus d'énergie. D'ailleurs, je peux vous montrer. Hein. On génère 1 400 000 RF. Ici. Si je lui balance les pédestals... je vais lui en donner un là et un là par exemple. Oh. Oh. Ça fait beaucoup de bruit. Je vais lui en balancer un là et un là, histoire de faire encore plus le débile mental. Voilà. 1 400 000 RF, hein. 3 100 000 RF. Donc ouais. C'est plutôt pas mal. Mais le truc c'est que là, on lui ramène trop d'énergie en fin de compte. Parce que là le truc il est déjà full. Il a même pas de quoi le vider en fait. Parce que là, ça va se calmer au bout d'un moment. Ouais, il a encore le buffer d'énergie. Là, le buffer va se retirer. Ça va se foutre là-dedans. Et on remplit notre boule Draco. Enfin, c'est pas le but d'accélérer le processus d'énergie. Nous, on va regarder au niveau des chunks. Notre portail, il est là. Donc, on va peut-être se mettre ici. Là où il y a le trou. Là. Ça va être pas mal. Hop, on dégage tout ça. Et on est parti. Donc la fleur, on se rappelle comment la faire. Sauf que je pense que la sortie des items des Energy Condenser, je vais la mettre au-dessus et pas sur le côté comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, au préalable, on va dupliquer ces trucs-là. Genre vraiment beaucoup. Donc on va prendre du Red Matter. On va prendre un stack pour chaque. Bim. Voilà, là on est bien. Et enfin, ça... On va reprendre également un stack de Red Matter. Bim. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu plus d'énergie collector quand même. Parce que là, j'ai beaucoup trop de relais par rapport à l'autre. Ok. Là, on est bon. Donc, la fleur, on va en mettre une ici. Il me semble que là, ici, ça va être bon. Donc, antimatter, relais. On fout ça comme ça. Ouais, c'est ça, on est bon. Tac, on fout ça comme ça. Donc cette fleur-là, on l'a déjà vue, hein. Pas besoin de vous expliquer comment la faire, bien sûr. Tac, tac, tac.
on installe un Energy MK2 et on réinstalle ça. Voilà, et là on a notre fleur d'installer. Ok, pour l'instant il n'y a rien forcément parce qu'il me, il me génère des EMC, ils sont là, mais il ne les récupère pas tout simplement parce qu'il n'y a, y a rien à transmuter en fin de compte. Et on va transmuter le Red Matter Block qui est très bien pour avoir. Ah, tu me diras Red Matter Block, beaucoup trop d'EMC dedans, je dirais. Ouais, non, c'est pas mal. On va garder le Red Matter Block. Bim. Voilà. Et ensuite, on va installer sur chaque collector un pédestal. Ok. Avec forcément les Watch of Flowing Time. C'est pour ça que je ne veux pas, en fin de compte, qu'on ait ça à côté des machines pour éviter d'avoir beaucoup trop de lag. Parce que ça, ça va être un vrai nia lag. Hein, mais clairement. Hein. Donc là, on regarde, on génère beaucoup plus de MC. Il va falloir qu'on retourne au niveau de Project E. Qu'on lui redemande quelques Watch of Flowing Time. Et non, il va falloir du Dark Matter, ça j'irai le récupérer après. D'ailleurs, je peux le récupérer right now. On va le poser là. Dark Matter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 blocs. C'est suffisant? Largement. Ok. Reprends ça, mon petit pote. Voilà. Tac, tac. Et tu peux reprendre tes trucs. Et là, pédestal, il va m'en falloir un peu. Ah oui, j'ai plus de blocs. Oh. C'est relou. Quand t'as trop de trucs, c'est un peu chiant. Hein. La tablette, on va la ranger parce qu'on s'en fiche. Matter, ils sont là. On fait nos blocs, voilà. Mais les pédestals... Tu me diras, ils ont des EMC, les pédestals. Hein. Je vais crafter le max. Hop. Je vais me mettre là-dedans. Je te mets le pédestal. Et je te balance tout ça. Voilà, on en a plein. Et ouais, du coup, l'idée, c'est de foutre des Watch of Flowing Time autour ici. Que autour de ceux-là. Donc, ceux qui sont sur l'anneau extérieur. Et de les activer à fond. Ok. Et donc là, on génère beaucoup de Red Matter Block. Ensuite, j'ai juste à prendre un transmutateur. Ou alors un câble pour extraire ce qu'il y a là-dedans. Ok. Et forcément, ce chunk, on va... Pas celui-là. Le chunk loadé. Voilà, on est dans un chunk loadé. Attendez, marqué quoi? Wilderness. Et ici, c'est chez moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une autre fleur. Ouais. On va mettre une autre fleur ici. Tac. On connaît le principe encore une fois. Hein. Toc, toc, toc. Toc. Encore une fois, on met ça. On se met un petit énergie condenser MK2. Ici, on lui mettra... comment? Un Red Matter bloc. Tac, tac. Bim, bim et bim. Et du coup, rebelote. On réinstalle nos pédestals avec les Watch of Flowing Time. Alors, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, je suis pas vraiment fan des Watch of Flowing Time parce que ça génère énormément de lag. Mais là, pour le coup, je pense que pour l'endgame de ce modpack, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Ok, tu vas me recrafter des Watch of Flowing Time. Après, ce système est complètement débile. Hein. J'ai plus de... Oh, je peux les décrafter, ceux-là. Voilà. On va s'en faire un. Hop, tu me diras, ça a des EMC aussi, le Watch of Flowing Time. Hein. Voilà. Et donc là, un petit Dark Matter Block. Et on se met bien. Ah, ok, super. Donc, je vais créer plusieurs fleurs. Je vais peut-être même en mettre une au milieu, ici. Peut-être la déplacer pour que ce soit presque collé. On va voir comment je peux faire ça. Mais en gros, je vais en mettre plusieurs. Et je vais en mettre sur plusieurs étages, en fait. Je vais pas non plus aller comme un bourrin faire 50 000 étages. Mais je vais en mettre énormément pour que je puisse générer énormément de Red Matter Block. Bon, le Red Matter Block, il arrive petit à petit. Je vais avoir 3600, là. Voilà, 3600. Ça arrive au fur et à mesure, gentiment. Donc j'ai fait un drawer, c'est stocké directement ici. Ok, donc ça arrive là-dedans gentiment. Alors là on voit que j'en ai que 2000 de 76 et dans Applied j'en ai plus. C'est parce que j'en avais déjà plus dans Applied et je les ai pas retirés d'Applied pour les foutre là-dedans. C'est pas très très grave. Par contre le jeu lag comme jamais. Ça c'est pas une surprise. J'étais certain que ça allait laguer de toute façon quoi qu'il arrive. Et à mon avis, c'est le but du modpack. Parce que franchement, pour arriver jusqu'à la fin de ce modpack, si tu fais pas laguer ton jeu, je sais pas comment tu fais. Du coup, j'ai installé 9 fleurs. Full speed. Qui rentrent dans l'Ender Chest et qui est directement stocké. Ok.
Donc sur les 9, on génère du Red Matter Block. Je peux d'ailleurs vérifier. Ah bah non. Même s'il me semblait que les derniers, je crois que je les avais pas config. Voilà, lui, il va le récupérer. Lui, ouais, lui c'est pareil. Et lui là-bas, je pense que ça va être pareil, non? Ah, ouais, exact. Ah, j'avais oublié de mettre ça là-dedans. Du coup, ça dit quoi? Je vais vérifier maintenant, si je fais pas de bêtises. Non, là c'est bon. Ici, c'est bon. Et ici, est-ce que ça va être bon? Yes, ok. Donc là on est bon. Donc Red Matter Block, ouais, j'en ai vraiment pas mal maintenant. Le problème, c'est que si je regarde les TPS, donc je vais supprimer mon chat et on va les refaire ensemble. TPS du Mining World, nous on est à 6,89. On est à 34%. Et overall 32%. Donc overall ça veut dire tout partout 6,55. Donc ouais, on lag à mort. C'est pour ça que ça va tourner plusieurs jours en AFK, pépère, pour qu'on puisse vraiment avoir tout ce dont nous avons besoin en termes d'EMC. Pas parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup des EMC finalement. Et oui. Alors on va retourner au niveau de la base. Et on va installer du coup le nécessaire pour commencer à faire les singularities. Alors je sais pas si on aura pas trop de soucis pour essayer de le faire parce que là... faut que je prenne une brique. Parce que là vu comment on lag, ça va être terrible d'avancer. Mais on est bien obligé. Hop, on va enlever ça. On va activer le magnet et on va péter ça. Comme ça tout rentre directement dans Applied et on n'a pas de soucis à se faire. Donc, Dragon Fruit, yes, j'en ai plein ici, c'est très bien. Ok. Je vais désactiver ça maintenant. Parfait. On va prendre nos neutronium et notre énergie condenseur. Ici, le problème, c'est qu'ils vont être... ils vont jouer avec ça, en fait. Et je veux pas que ça aille plus vite que la musique. Donc ça, on va les enlever. Mes neutrons collecteurs collecteront les neutrons moins vite. Mais là, actuellement, bon, j'en ai 5531. Donc c'est pas mal. Je sais pas si ce sera suffisant. Je ne pense pas, très certainement. Mais on verra. Donc, on va en mettre un. Alors, j'avais dit qu'ici, on en mettrait 3, hein, c'est ça? Ou alors, on en met 4 et 4, 8. Et ici, on en met 5. On va voir ça. On en met un là. Un là. Faudrait qu'il y en ait un là aussi. Ouais, ça peut peut-être le faire. Hein. Ouais, ça le fait. Ça le fait. On va faire ça. On va utiliser des translocators. Donc, on est que en liquide ici. Il faut que je fasse l'autocraft. De l'item parce que j'en ai marre de les faire à la mano ceux-là. 3700, ouais, depuis tout à l'heure on a regardé, on était à 3600, on en a déjà gagné presque 200 là. Translocator, ah, c'est ici qu'il va falloir regarder. Translocator, il me faut ce d'item. Voilà, on va remettre ça au niveau d'Applied. Je suis content quand même d'Applied puisqu'on a plein d'autocraft. Alors je pense que je l'ai mis, j'ai cru l'avoir encore eu dans les mains, mais hop. Translocator, ils sont là. Il va nous en falloir 13, mais du coup, il faut le multiplier par 2. Hop là, 26. Super. On va pas utiliser de glowstone pour virer ce qu'on va générer dans les énergies condenseurs MK2, pour éviter, en fin de compte, de bouffer tous nos EMC en moins de 2. Donc ici, on a nos 5. On va mettre notre énergie condenseur MK2 là. Ici. Ici. Et ici, ok, du coup je peux les mettre là, 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 et là, nice. On n'en a plus que 4 installés, donc les 4 on va en mettre un là, ça va peut-être pas le faire avec ça en face, faut que je retrouve une bonne position. Regardez-moi ces TPS, terrible, c'est terrible ce qui se passe. Ici, ici, enfin ici, ici, peut-être, on a largement la place, on aura largement la place, ok, on va faire ça comme ça, donc ça va faire tac, non c'est, oh là, je fais des bêtises, ah, j'aime bien quand tout est placé correctement, je préfère, donc clac, 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 et clac. Ok, donc là c'est bien placé. Lui il est un petit peu gênant. Vu qu'il est gênant,
Ouais, mais il y a déjà un truc à brancher dessous. Bon, c'est pas grave, on va le laisser. Là, maintenant, on va. Je suis en train de regarder si je peux les avancer d'un bloc, ceux-là, pour que ce soit un petit peu plus joli. Et je suis quelqu'un d'extrêmement relou. Ouais, c'est plus sympa quand même comme ça. Voilà. Je sais pas exactement comment on va automatiser ces trucs-là, mais on va le faire au fur et à mesure. Tiens, c'est terrible les TPS, hein. Oh là là. D'ailleurs, si je veux couper mes problèmes de TPS, il faudrait que je fasse un Venmine sur les fleurs. Et basta, hein. Ok. On remet nos condenseurs. Super. Donc là on voit qu'on s'approche de l'endgame, franchement. Et tac, ok. Il n'y a plus qu'à mettre les derniers translocators. Et on est bon. Nice. Alors comment je vais faire pour automatiser tous ces trucs-là? Tout en sachant que les chests ici vont disparaître au bout d'un moment. Hein. Ça, c'est pas un problème. Il va falloir que je leur amène mes fameux Red Matter blocs là-dedans. Sauf que je veux pas non plus en avoir beaucoup. Donc on va combler avec de la cobble. Et on va mettre juste un stack de Red Matter blocs. Et ensuite on va mettre l'item qu'on veut transmuter. Donc on va regarder tout ce qu'il nous faut pour transmuter nos items. Donc on va cliquer là, là, et on va faire A. Ok, d'ailleurs je peux même faire ça. Tac. Non, par contre ça va être chiant parce qu'il va me falloir directement le bon bloc de lapis lazuli. Clic. Clic, clic. Pareil, redstone, je veux le bon bloc de redstone. Toc, toc, toc. Pareil, diamant, je veux le bon bloc de diamant. Merci bien. Quartz, c'est pareil, je veux le bon bloc de quartz. Tin, silver. On a déjà le flux électrum. Et enfin, l'émeraude. C'est l'émeraude qui va nous poser le plus de problèmes, je pense, hein. Alors, émeraude. Déjà, on récupère, ça c'est bon. Paf, ça dégage. Silver. On récupère. Et paf, ça dégage. D'ailleurs, vous allez me dire, ouais, mais tu génères déjà des minerais avec les poulets, avec le or void miner. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Mais là, on regarde, j'ai que 31 000 blocs. Et pour me faire juste une singularity de tin, il m'en faut 12 000. Donc là, je peux faire à peu près deux singularities. On se rappelle combien de singularity il me faut pour juste un Infinity Catalyst? Tu me diras, l'Infinity Catalyst a des EMC. Je suis en train de me dire, il suffirait que je me fasse une seule singularity de chaque. J'avais pas fait gaffe que ça avait des EMC, ça. Ah. Ah. My bad, on pourrait fumer le game avec. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, bah ça, je viens de le voir. Probablement que les personnes ont dû me le dire dans les commentaires. Mais vu que je tourne les épisodes d'affilée depuis Perpète maintenant. Pour être franc, il n'y a que le premier épisode qui est sorti sur YouTube là. Hein. Ouais. Pourquoi je tourne autant d'affilée? C'est pour pouvoir être tranquille au niveau des sorties de vidéos. Puisque en ce moment, c'est un peu galère de tourner avec tout ce que j'ai à faire en ce moment. Hein. Donc il va falloir me pardonner là-dessus. Mais du coup, ouais, je vais quand même installer l'automatisation que je veux faire, parce que c'est cool de le faire. Et bah, après, par contre, on utilisera les fameuses fleurs pour générer des Infinity Catalysts. Hein. Ça, il n'y a pas de lézard là-dessus. Alors, l'iron, il va nous manquer le lapis, et il va nous manquer celui-ci, qui lui, par contre, je pense ne pas l'avoir. Hein. Je vais quand même regarder Fluxed. Non, on ne l'a pas du tout celui-ci. Il va falloir qu'on le crafte. Pour l'avoir, ça va être dans l'induction smelter un flux electrum blend. Et pour ça, il va juste nous falloir silver, gold. Ou alors directement un electrum blend. On va faire ça, tiens. C'est assez rapide, il m'en faut juste 8. Donc, on va se mettre ici. Clic, enfin 8, 9, pardon. Clic, electrum blend. Je veux de ça. Donc, dust. On peut avoir du gold dust. Par contre, du silver dust, on peut pas en avoir. Donc, je vais prendre silver. On va en prendre 9. Voilà au niveau des machines. Et on va le balancer dans le sac, mais il était en train de me faire mon or d'ailleurs. Hein. Tu travailles là? Ouais. Oh là là, les TPS, c'est terrible. Normalement, cette machine va tellement plus vite. base. Ok. Retournons sur ce qu'on veut faire. Electrum Blend. Bon, j'en ai un petit peu trop, mais c'est pas grave. Et on va le mettre dans la machine où il y a de la redstone. Il y a rien là-dedans? C'est normal qu'il y ait rien là-dedans?
Apparemment, c'est normal qu'il n'y ait rien là-dedans. J'ai pas dû configurer le truc. Redstone. Très bien. Du coup, on va récupérer ce qu'on a besoin. C'est peut-être l'Enderium qu'il devait y avoir là-dedans. Je ne sais plus. Ok. Maintenant qu'on a ça, il va juste falloir qu'on passe le Fluxed Electrum Blend dans l'induction smelter. Donc il va falloir Fluxed, hop, sand, hop, induction smelter là-dedans, clic clic, ça fonctionne. On va retourner au niveau directement de Draconic Evolution, parce qu'on va pouvoir se faire tout de suite le bloc finalement. Alors c'est pas très très rapide hein. Il en demande qu'un seul hein, de Fluxed. Ouais, c'est ça, qu'un seul. Merci les TPS. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je pourrais directement récupérer les EMC d'ailleurs. Ouais, tu sais quoi. Hop, hop. Ah, ça va plus vite. Le bloc. Voilà. Donc là, on a tous les blocs pour faire les singularities. Donc on va installer le bloc d'émeraude ici. On va installer le bloc de silver là. On va pas les faire dans l'ordre, hein, mais... On va les faire dans ce que j'ai dans mon inventaire. Diamant. Nickel. Ici, on va installer un bloc of lead. Un bloc of copper. Bloc de redstone. Bloc d'or. Je pense que j'ai loupé un bloc. J'ai dû louper un bloc parce que j'en ai trop installé. Mince. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Ça c'est bon. Ça aussi. Ça aussi. Ensuite ici on a quoi? On a le LED. Le copper. Redstone. Et or. Ok. Donc là on a iron. Lapis. Flux. Ah, du coup il m'en manque un. À 9, 10, 11, 12, 13. 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ah la vache, j'arrive pas à voir celui qui me manque, c'est terrible. Oh. On va faire ça. On va les mettre sur les côtés. Je me serais sûr de pouvoir les trouver. C'est bon, j'ai tout pris. Ok. Donc ici, tin, on l'a. Ah bah du coup, c'est celui qui me manque. Très bien. Terrible ce qui se passe. Tin. Une bloc. Merci. C'était donc le fameux petit dernier. Donc maintenant on va récupérer nos red matter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien entendu. Et on va balancer le stack ici. Alors ça me génère tout ça. On va en remettre un autre stack parce que ça va pas le bouffer. Et ici on va le remplir de cobble. Donc stack, stack. Stack, stack. Stack. Stack, stack, stack. Ici pareil. On en reprend un petit peu. Stack, 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 stack. Je crois que c'est l'émeraude qui va nous poser problème. Peut-être le diamant d'ailleurs aussi. Ouais, le diamant aussi nous pose problème. Parce que le diamant il est gourmand. Hop. Et c'est l'émeraude qui va vraiment nous mettre en PLS là. Ouais, complètement, ouais. Oh. Ok. Du coup, cobblestone, on va prendre des stacks et des stacks et des stacks et des stacks et des stacks. Dans l'idée, il faudrait qu'on en mette juste un seul là-dedans, mais je pense que je vais directement blinder les stacks. Ce sera plus rapide pour moi plutôt que de faire... Oh, tu me diras, ça peut être rapide de faire ça comme ça aussi. Hein. Ouais, ça va être plus rapide de faire ça comme ça. Voilà. Donc, on remplit tout ça. Ok. Donc, au final, on fait une sorte de filtre. Pour éviter de trop remplir les red matter là-dedans. Parce que j'ai pas assez de red matter pour remplir tous mes énergies condenser MK2, clairement. Hein. Donc, on fait son petit filtre. Du coup, pour extraire les red matter, il va falloir que je fasse une extraction d'applied des red matter dans un under chest. Donc, l'under chest sera full. Et qu'on réutilise cet under chest pour aller mettre les red matter dans nos énergies condenser. Hmm. Donc jusque là ça va, on pourra avoir toutes les singularities qu'on veut. Le gros avantage qu'on a avec Avaricia, en termes de singularity, ça, c'est qu'une fois qu'on a un stack, il va arrêter d'en générer. Et ça c'est bien, parce que dans Extended Crafting,
ce qu'on a aujourd'hui sur la plupart des modpacks, et ce qu'on a également sur Ragnamod 5, au passage, c'est qu'il il continue à faire les singularities à l'infini, en fait. Il s'arrête jamais, contrairement à ces machines-là. Et c'est dommage, du coup, qu'il n'y ait pas une option de couper, en fin de compte, la production de singularity quand la machine est full, en fait. Parce que quand la machine est full, ici, ça produit plus. Mais les autres, ça produit encore. Et c'est, je trouve ça dommage. Bon. In your chest. Ok. On a demandé de dizaines. Je pense pas qu'on en ait besoin d'une dizaine. Mais en gros, on va en avoir besoin de un ici, qui va extraire sur cela. On va en avoir besoin de un... Où est-ce qu'on va le mettre? On va mettre deux là. On va en mettre un là et un là. Voilà. Il y en aura un qui va gérer ces deux, un qui va gérer ces deux, voilà, etc., etc. Il va me falloir du colorant raid. Parce que le raid, pour le raid matter, ouais, logique. Tac, tac, tac. Et il n'y a rien dans les raids. Hein. Donc ça, c'est bon. On colore tous nos under chests. Par contre, je vais plus du tout avoir de place au niveau d'Applied pour gérer l'extraction des... Allez, vas-y, s'il te plaît. Pour gérer l'extraction des Red Matter. Donc, il va falloir qu'on ruse. Ender. Chest, je les ai rangés, je devais les garder. Il va nous falloir un Export Bus. Ok, donc on fait Start. Il va me falloir des Acceleration Cards, forcément. Allez, please. Ah, ça lag, hein. Normalement, on est censé avoir notre export bus assez rapidement. Hein. Voilà, c'est bon. Export bus. Du coup, on va se mettre au niveau de la base. Il faudrait que je fasse l'extraction ici, en vrai. Mais je vais pas pouvoir parce que, bah, pas la place. Si je descends pareil en haut, j'ai pas envie de bouger trop au niveau des câbles parce que je pense que c'est plutôt bien câblé. On va se mettre au niveau... des machines. Ok, on va se mettre au niveau des machines. Et au niveau des machines, on va descendre. Parce qu'on a plutôt... Enfin, parce qu'on a pas mal de câbles, en fin de compte, ici. Hein. Et on va extraire un channel d'ici. Et on va prendre un câble noir. Pour pouvoir tout extraire correctement. S'il te plaît. Voilà, merci. Donc, on va prendre le câble noir ici. On va se faire une extraction full speed. Du Red Matter Block. Ok. On va au préalable colorer Thunder Chest parce que sinon il va le remettre dans Applied et ça va faire une boucle infinie, ça va être débile. Voilà. Et donc là en théorie il est censé me remplir l'Under Chest à fond. Hein. Voilà, il me remplit l'Under Chest. Nous sommes d'accord. Ok. C'est bon? Oh, il met du temps. Par contre je comprends pas pourquoi ici ça descend en fait. Parce que j'ai aucun under chest rouge ailleurs. Est-ce que j'en aurais un connecté ailleurs d'under chest rouge? Ça descend là. Hein. Ouais, ça descend. Je dois avoir un under chest rouge connecté quelque part. Laissez-moi regarder, on se retrouve. Bon. Plutôt que de continuer à perdre bêtement mes Red Matter Blocks, je ne sais pas du tout où il y a un Ender Chest rouge. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. J'ai pas cherché très longtemps non plus parce que ça m'a vite gavé. Mais en gros, j'ai changé la couleur. Hein. Maintenant, c'est rouge, bleu ciel, rouge. Pour remplir ça de Red Matter Blocks. Donc ça, maintenant, c'est terminé. Et l'Ender Chest rouge, restera... Ah là là, j'arrive plus à parler. Restera un mystère, pardon. Pendant un moment. J'ai même creusé là-haut en fin de compte pour voir. Parce que j'ai installé quelques petites choses là-haut. Hein. J'ai pas mal d'under chests en plus qui sont connectés. Et je me suis dit peut-être que... Et au final non, pas du tout. Donc ouais, je sais pas. Ça je le reboucherai un petit peu plus tard. Hein. Du coup retournons au niveau de Draconic Evolution. Et c'est là que maintenant nous allons utiliser nos conduits. Voilà. Et on va extraire les items. Donc on va gruger. On va passer par ici. Puisqu'on peut utiliser des... conduit façade pour cacher ces câbles là évidemment. Hop, hop. Donc conduit façade ici. Très bien. Devenu connu. Clic. Voilà. On fait une extraction et on fait une insertion là-dedans. En fin de compte, pour continuer à mettre le Red Matter Block. Ok. Ici, ça va être la même histoire. On va cacher le câble là.
ici et là. Hop, active ton magnet, comme ça tu récupères tout. Ok. Insertion. Insertion. Extraction. Ici, pareil. Ok. Ok. Bim. Bim. Oh, je l'ai pas fait ici. Bim. Non. Retire-moi ça. Enlève ça, voilà. Insertion. Insertion et extraction. Ok. Et du coup, lui, ça va être la même histoire, sauf que lui, bah du coup, ça va être un câble un petit peu en serpentin. Hein. Voilà. Pour pouvoir mettre toutes mes Red Matter. Mais non. Pose pas ça ici. Donc, insertion. 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 J'espère que je vais générer suffisamment de Red Matter. Mais à mon avis, je pense que l'émeraude, il va me mettre mal. Il va me mettre très mal. Bon. On va commencer par l'émeraude, du coup. Donc l'émeraude, en fin de compte, si je balance les blocs petit à petit, c'est tout simplement parce que bah, je peux rester AFK. Donc pas de problème. Je pourrais mettre la glowstone et envoyer des stacks et des stacks par... à chaque fois que ça envoie un item, ça envoie un stack. Mais ça me boufferait directement tous mes blocs rapidement. Et ça, je n'en ai pas envie. Donc on ne mettra pas de glowstone. Ok. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ça le fera. Et on générera nos singularities comme ça. Et par la suite, de toute façon, une fois qu'on aura... terminer de remplir au moins un truc complet. Là je vais attendre un petit peu pour avoir une singularity. Et une fois que j'aurai une singularity de chaque, on pourra se faire l'Infinity Catalyst. Et on changera en fin de compte le Red Matter dans le Mining World pour générer de l'Infinity Catalyst. Mais ce petit setup là, je vais le laisser tel quel, parce que je le trouve sympa. Et j'ai toujours trouvé ça sympa de pouvoir générer des Infinity des singularity avec des EMC. Je trouve ça chouette. Bref, on se laisse là, on a suffisamment joué, j'ai fait suffisamment que fait du mal, on va dire fait du mal à mon monde avec les TPS et les Watch of Flowing Time. C'est pour ça que je vous disais que le Watch of Flowing Time c'est bien, mais sur tous les modpacks que je fais et que je ferai, je ne l'installe pas en fin de compte. Enfin quand je dis je ferai, c'est-à-dire créer un modpack, hein, c'est pas jouer. Je ne le mets pas, c'est pour ça que sur Arena Mode 5, il n'y est pas. D'accord, vous avez la Time in Bottle, ce qui est déjà pas mal pour casser du TPS. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cet épisode de Stoneblock. Portez-vous bien, les amis, et à bientôt. Bye.